de suite, nous allons parler onboarding, mobilité ou l'approche par moment clé pour réussir l'expérience employée. Alors pour en parler, je vais accueillir Arnaud Weiss, Chief of Staff chez Lumaps. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc aujourd'hui, effectivement, on va parler des moments clés, parce que c'est vrai que souvent on parle d'expérience employée, mais on ne sait jamais par où commencer. Donc, je vais vous partager un peu notre vision chez Lumaps, celle des moments clés. Avant ça, je vais vous raconter brièvement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, l'histoire de Lumaps. On est moins connu que des startups comme Conto ou Welcome to the Jungle, parce qu'on est en B2B, puis voilà, on vient de Lyon, donc on est un peu sous les radars. On est moins visible, mais c'est une histoire qui est marrante. Donc, on a été créé effectivement dans la banlieue lyonnaise, comme je disais précédemment, à Tassin-la-Demi-Lune. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran mon magnifique dessin de l'endroit où on a nos headquarters, notre siège. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'on est passé d'une petite start-up de village dans la périphérie lyonnaise à un leader mondial du logiciel SaaS. Parce qu'on a levé 100 millions d'euros avec des top investisseurs comme Goldman Sachs ou Razéo. On a maintenant des bureaux à Austin, à Londres, à Paris, toujours à Tassin, bien sûr, à Tokyo. Et on a plus de 450 clients grands comptes. Et donc, en fait, on est une des rares start-up françaises qui déjà est déployée dans près de un quart des sociétés du CAC 40 à l'échelle globale. Donc, par exemple, LVMH, Air Liquide ou Airbus, mais aussi on arrive à battre des géants américains sur la propre sol. On fait 50% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Voilà, c'est une belle histoire de la French Tech. Alors, qu'est-ce que c'est Lumaps? Je vais vous le présenter très très brièvement là aussi. À la base, on était un intranet. Donc, en fait, quand vous êtes employé par exemple chez LVMH, vous vous connectez sur votre ordinateur le matin, la première page, ça va être Lumaps. Alors, il n'y a pas écrit Lumaps, il y a un nom, chaque société donne un nom à son intranet. Et en fait, on est parti de ça, puis on a construit toute une plateforme d'expérience collaborateur. On a ajouté des fonctionnalités sociales avec des communautés, on a ajouté de la vidéo, puisque voilà, YouTube pour présenter, enfin avoir une pub YouTube avant de présenter une vidéo pour ses collaborateurs, c'est pas génial. Et on a ajouté un moteur d'expérience collaborateur, c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est plus axé RH. Alors, du coup, on va commencer à attaquer notre sujet. Le constat de départ, c'est de dire que ça n'a jamais été aussi compliqué de recruter et de garder des talents. On peut le résumer avec cette phrase-là, la guerre des talents est terminée, les talents ont gagné. La conséquence de ça, c'est que l'expérience employée devient aussi critique que l'expérience client. Alors, Clément en avait parlé juste avant, un peu voilà, le miroir entre les deux. On s'attend à une expérience personnalisée, on s'attend à ce que ça vienne à nous sur nos canaux, et pas que ce soit nous qui ayons besoin d'aller vers l'information, etc. Je pense que la plus grande méconception quand on parle d'expérience employée et d'engagement, c'est que la plupart des entreprises, la plupart des RH voient ça comme quelque chose de linéaire. C'est-à-dire on rejoint l'entreprise pendant son onboarding, on est super engagé, puis avec le temps, progressivement, notre engagement va diminuer jusqu'à ce qu'on quitte l'entreprise quelques années après. Pour moi, la réalité ne pourrait pas être plus différente de ça. Pour moi, l'expérience employée, l'engagement d'un collaborateur, son parcours dans l'entreprise, c'est des montagnes russes. On va être onboardé, c'est pas très bien maîtrisé, donc on est en zone de risque. Derrière, on va avoir une revue annuelle, en fait, ça va bien se passer, notre manager a vraiment pris soin de nous, on va avoir une promotion, donc on est super réengagé. Après, on va avoir une négociation salariale qui ne va pas forcément très bien se passer, on va retourner à la zone de danger. Donc c'est des vraies montagnes russes pour moi. Et ce que ça m'amène à penser, c'est qu'au final, l'expérience employée, ça répond à une loi de Pareto. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'économiste italien, on en parle beaucoup, le 80-20. L'idée principale, c'est de dire que 80% de quelque chose sont définis par 20% de quelque chose d'autre. Pour moi, l'expérience employée, c'est pareil. 80% va être défini par les 20% des moments clés dans l'entreprise. Donc, c'est là qu'on en vient au cœur de notre sujet, les moments clés. Les moments clés comme l'onboarding, le changement de poste, le court retour de congé maternité. Ce concept, ça a été défini par Gartner. Donc ils disent que c'est à la fois des moments qui sont personnels et professionnels. Pourquoi personnels? Parce que vous déménagez, vous revenez de congé maternité ou paternité, ça va fortement impacter aussi votre expérience, c'est bien pris en charge par votre manager et votre entreprise. Oui, professionnel, c'est assez évident. Ils impactent fortement l'expérience des collaborateurs de manière positive ou négative. Donc la conclusion de Gartner, qu'on partage à 200% chez Lumaps, c'est que les entreprises qui se focalisent sur ces moments clés pour améliorer l'expérience collaborateur ont un impact bien plus fort. L'idée, c'est qu'on va avoir de meilleurs résultats pour un investissement moindre. Du coup, la conclusion, c'est ça. C'est si vous voulez travailler sur l'expérience collaborateur, focalisez-vous sur ces fameux moments clés. Alors,
Tout ça, c'est bien joli, c'est théorique, mais je vais vous partager une petite expérience personnelle pour pouvoir mesurer un peu plus l'impact. On parlait juste avant de l'impact des histoires et je suis assez aligné là-dessus. Moi, quand j'ai été diplômé, j'ai passé 7 entretiens pour rentrer dans une entreprise après. Donc cet entretien, waouh, c'est laborieux. Je suis arrivé le jour J dans l'open space. Mon manager m'avait oublié, il était chez un client. Donc, je n'avais pas été annoncé. Donc tout le monde se met à me dévisager en mode « c'est qui celui-là ? Il s'est trompé d'étage, etc. » Et j'ai mis 2 semaines à voir mes outils de travail, donc mon ordinateur, mon accès à mes outils, etc. Donc les messages que ça m'a envoyé, c'est 1, on s'en fiche de toi, sympa. 2, tu peux travailler pendant 2 semaines, tu peux ne pas travailler pendant 2 semaines, c'est pas si grave, donc en fait ton poste n'est pas important. Et en fait la conclusion pour moi c'était, waouh, c'est quoi cette entreprise ? Ça n'est plus une désillusion. Donc je vais tirer mes 2 ans, 3 ans pour avoir une belle ligne sur le CV et je vais m'en aller. Donc tout ça pour illustrer le fait que les moments clés, ça a un vrai impact sur l'expérience. Par ailleurs, je pense que vous vous souvenez tous de votre premier jour dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Donc c'est aussi un fort impact sur la marque employeur. Le challenge, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner individuellement chaque collaborateur à l'échelle, parce que bon, là, quand on est 20, une petite start-up, c'est facile, hein, on a le temps de, enfin, en général, de s'occuper individuellement de chaque collaborateur, mais quand on est 300, 500, 1000, 10 000, 100 000, comment est-ce qu'on peut s'assurer, avec en moyenne un ou une RH pour 200 employés, qu'on va réussir l'onboarding de chacun, le changement de poste de chacun, le retour de congé paternité ou maternité de chacun. Donc c'est tout le sens de ce qu'on a créé chez Lumaps, avec Journeys. On a créé en fait un moteur d'expérience employée. Vous allez définir pour chaque profil de collaborateur différents moments, différentes étapes, un rendez-vous avec un parrain qui va l'accueillir le premier jour, une formation qui va être programmée automatiquement dans l'agenda, des contenus qui vont être poussés. Donc comme ça, vous pouvez créer des parcours. Et alors, petit avantage sympathique aussi, on évoquait avant le miroir entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Nous, une de nos convictions fortes, c'est qu'on ne veut pas ajouter d'outils en plus, et ce n'est pas au collaborateur d'aller sur des outils qu'on a créés pour avoir l'information, on veut aller à lui. Donc on va lui pousser toutes les informations sur les outils du quotidien, sur Slack, sur Google, chat, sur Teams, etc. Hop, voilà. Donc il y a 3 messages clés que je veux que vous reteniez de ma présentation. Le premier, c'est que les entreprises qui souhaitent améliorer leur expérience employée doivent se concentrer sur les moments clés, puisqu'en fait, on va avoir de meilleurs résultats pour un investissement plus faible. Le deuxième, c'est que donc l'UMAPS Journée, si vous vous intéressez à ces sujets-là, peut vous aider. On va offrir une expérience sur mesure, sans outils supplémentaires pour vos collaborateurs. Donc le ROI d'investir sur les moments clés, ça va être une meilleure rétention des talents, un gain de temps pour les RH et pour les managers, et une meilleure productivité. Merci beaucoup. We'll be right back.